fonctionne. Accès autorisé au hangar 12. Tiens bon, Chewie. On arrive. Vous a donné la permission d'atterrir ici. L'ennemi est monté à bord du vaisseau. Ils sont servis d'un médaillon volé. Côté. Aucune idée. Suivez-moi. Qu'elle fait pareil avec nous. La dague est là. Nous en avons besoin. On se retrouve au hangar. Je ne sais pas où tu es. C'est dur de te trouver. Et toi, c'est dur de te semer. Tes parents n'étaient personne. Par choix. Pour te protéger. Non ! Ray, sois courageuse. Tu seras en sécurité ici. Je te le promets. Pour te protéger. C'est Palpatine qui les a fait enlever. C'était toi qu'ils cherchaient. Elle n'est pas sur Jakku, elle n'est plus là. Alors c'est là que tu es.
passer par ici. Ils essaient de libérer Wookie. Arrêtez-les. Je suppose qu'on va du bon côté. Il doit être là-dedans. Ils vont vers la salle d'interrogation 6. À tous les troopers, gardez la... Ne les laissez pas libérer le prisonnier. Évidemment qu'on est venu te chercher, Chewie. Lâchez vos armes immédiatement. Lâchez vos armes. Lâchez-les. Salut les gars. Abattez-les. L'espion, c'est moi. Quoi? J'ai besoin que Kylo Ren perde. Où sont les autres? Ils ne sont pas revenus. Trouvez-les. Allez. Pourquoi l'empereur s'en est pris à moi? Tu n'as pas seulement des pouvoirs. Tu as son pouvoir. Tu es sa petite fille. Tu es une Palpatine. Hein? Ce que Palpatine ne sait pas, c'est que nous sommes une dyade dans la force, Rey. Deux, qui ne font qu'un. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Oui. Oh, non! Ils m'ont obligé à les escorter à leur vaisseau. Je vois. L'espion a été démasqué. Trouvez Exegol. Quelqu'un d'autre espère que ça nous mènera à la lune forestière? Non, c'était juste moi. D'accord. Bon ben, c'est pas la lune forestière. Désolé. Finalement, tu pourras pas faire la fête avec les Ewoks. Seule cette lame l'indique. L'orienteur est là. Drôle d'atterrissage. Je suis Jenna. Il faut qu'on accède à cette épave. Pas maintenant. C'est trop dangereux. Autant réparer le vaisseau. On ne peut pas attendre.
l'étoile de la mort. Une épave maudite. Un vestige des vieilles guerres. Ouais, et j'y suis pas vraiment habituée, vu que j'habitais dans le désert et tout. Je vais prendre ce traîneau de patrouille et je vais chercher l'orienteur, avec ou sans eux. Peut-être que cette porte nous mènera à l'orienteur. La dague pointait vers le haut de l'épave. Alors nous devrons aller plus haut. Je vais monter et trouver un autre moyen de te faire venir, d'accord ?
attention, bébé 8, et continue vers le haut. Là-haut, c'est là où se trouve l'orienteur. Tiens bon, bébé 8, je vais te faire traverser. Le voilà, l'orienteur. Oui.
N'aie pas peur de ce que tu es. Te rendre à Exegol qu'avec moi. Non ! Viens avec moi à Exegol. Nous détruirons Palpatine ensemble. Non, j'irai nulle part avec toi. Je parie que tu adores ça, te retrouver à l'endroit même où se tenait ton héros. Tu n'as rien d'un Vador. Nous savons tous les deux qu'il y a de l'obscurité en toi. Alors utilise-la. Je t'écouterai pas. J'en ai assez de t'entendre pleurnicher. De l'éclair est sorti de tes doigts, Rey. De l'éclair! Tu ne l'as pas senti? Le côté obscur est en toi, comme moi. Ça te dirait qu'on traîne ensemble? Je suis trop occupée à essayer de sauver la galaxie! De toi! Bien, tu utilises ta colère. Maintenant, suis-moi. Reviens ici! Je vais pas le laisser s'échapper. Il doit y avoir une autre sortie. Te voilà. Continuons à avancer. Je me demande pourquoi ils l'appelaient l'étoile de la mort et non pas la lune de la mort. Je peux pas sauter jusque-là. Mais cette caisse devrait m'aider. C'était trop beau pour être vrai. Bien vu. Tu crois que tu peux passer? Tu trouveras peut-être quelque chose pour nous aider à traverser. T'as trouvé quelque chose qui pourrait nous aider? T'inquiète pas, je te sortirai de là. Je sais pas ce que tu fais, mais ça marche. Combien il reste de ces choses par ici? Mieux de regarder là où je mets les pieds.
Merci. Bravo, bébé 8. Allons trouver Kylo. Kylo est proche. Je le sens. Plus proche que tu crois. Les petits enfants de Vador et de Palpatine qui se battent dans l'étoile de la mort. C'est plutôt cool, non? Arrête de faire le geek et concentre-toi. Je vais faire payer la destruction de l'Orienteur. Un combat dans l'étoile de la mort. Nos grands-parents seraient fiers. Non, Palpatine n'est rien pour moi. Oups. Wow! Prends ma main, et cette lutte en nous se terminera. Je dois aller là-haut d'une manière ou d'une autre. Jamais arriver à sauter ça. Nous voulons tous les deux que Palpatine disparaisse, Rey. Prends ma main. Jamais. Viens avec moi à Exegol que je puisse enfiler une tunique sèche.
pensais que tu pouvais changer. Tu n'as pas vraiment envie de te battre contre moi, Ray. Ce n'est pas ton genre. Pas vraiment. Tu ne me connais pas. Personne ne me connaît. Tu sais que tu ne peux pas retrouver Leia maintenant. Tout comme moi. Je ne suis pas comme toi, pas du tout. Une vague! Bébé, vite, accroche-toi! C'est complètement futile! Je sais que le côté obscur est en toi, Ray. Abandonne-toi à lui! Tu n'aurais pas dû détruire cet orienteur! Cessez vos petits jeux. Nous sommes une dyade dans la force. C'est pas rien au cas où tu ne l'aurais pas réalisé. Une autre vague. J'en ai assez de tes petits jeux. Allez! Je voulais prendre ta main. La main de Ben. Salut, petit. Je sais ce que je dois faire, mais je ne sais pas si j'aurai la force de le faire. Père. Je sais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut qu'on retourne à la base. Cette base, c'est ici que nous vivons tous?